J'ai combattu le 20 janvier, ici même, à Aubervilliers, pour le tournoi des moins de 66 kilos. J'ai gagné mon combat, décision unanime. C'était un beau combat. J'ai géré le combat. Ça veut dire que je me suis qualifié pour les demi-finales de ce même tournoi, qui aura lieu plus tard en mai. Et là, ce soir, c'est un super fight en moins de 70. On descend, on monte un peu, on se fatigue pas. Et voilà. Ce soir, je me sens bien, relâché, à chaque combat, moins de pression. Mais je pense que c'est comme ça, on va dire que c'est le métier qui rentre. Chaque combat, moins de pression. Je vois une victoire, quoi qu'il arrive. Je sais pas comment, mais je sais que je vais sortir victorieux de ce combat. Je suis plus confiant que la dernière fois. Je me suis préparé. Ouais, j'ai fait une bonne prépa, assez intense. Donc là, j'arrive, j'ai faim. Ah, j'ai faim. C'était une expérience, une bonne expérience, vraiment. Certes amère, mais une bonne expérience. J'étais peut-être pas préparé comme je le suis là. J'ai pris le combat parce que je voulais acquérir justement cette expérience de savoir c'est quoi la cage. Maintenant, je sais c'est quoi la cage. J'ai des dents aiguisées, il va falloir faire attention. Là, je vous mens pas, là, j'ai la dalle de fou malade. Ah ouais, j'en ai à revendre. Là, j'arrive, j'en ai à revendre. Et je compte bien montrer ce que j'ai appris durant ces dernières semaines. Fais le tour. Allez, allez.